Débarrassez-vous de ces femmes. Allons, messieurs, allons, je vous en prie. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce, à cause de la présence de ces membres du sexe faible, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporterait sans doute pas... À la porte. Patience, Jenny. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada.